Bonjour à tous, merci de votre présence nombreuse, très heureux de vous retrouver en compagnie d'Estelle Sarabulle. Bonjour Estelle Sarah, bienvenue. Bonjour, merci, bonjour. Vraiment très heureux de vous recevoir pour parler avec vous de ce roman passionnant qui s'intitule « Les étoiles les plus filantes » paru à la rentrée littéraire de septembre aux éditions Liana Levy. C'est votre deuxième roman après un livre qui avait marqué votre entrée en littérature qui s'intitule « Là où les chiens aboient par la queue ». C'était déjà chez Liana Levy, un premier roman qui avait vraiment rencontré un très grand succès public et critique, qui a reçu de nombreux prix et notamment le prix Stanislas du premier roman. Vous avez entre-temps publié aussi un livre jeunesse, on aura peut-être l'occasion d'en dire un petit mot, « Les fantômes d'Issa ». Et donc vous revenez avec cette... je dirais, épreuve difficile du deuxième roman, avec un livre, je le disais, à la fois très romanesque et très passionnant dans ses contenus. On va évoquer tout ça avec vous. Je vais dire en quelques mots, disons, ce qui se passe un petit peu dans ce livre, et puis on va bien sûr rentrer dans le vif du sujet très rapidement. L'intrigue se situe donc à la fin des années 50, au Brésil, à Rio de Janeiro. Ce livre est avant tout le livre d'un film, si j'ose dire. C'est un livre qui raconte le tournage du film de Marcel Camus, qui s'intitule « Orfeu Negro », qui est une adaptation d'une adaptation, déjà d'une pièce de théâtre qui adaptait à Rio de Janeiro ce mythe d'Orphée et d'Eurydice. Donc c'est avant tout et peut-être d'abord l'histoire d'un film avec tout ce que comporte finalement la création d'un film, à la fois l'aspect artistique, l'aspect intellectuel, les images, le casting, et puis tout ce qui fait aussi qu'un film c'est une industrie, l'aspect économique, toutes ces dimensions-là. Donc on est vraiment au cœur du réacteur de la création d'un film, c'est la première chose qui est passionnante dans ce livre. Et puis à travers finalement ce film, le tournage de ce film, on va le voir qu'il y a des dimensions très particulières, tourné avec des comédiens amateurs pour la plupart, dans un Brésil qui vit une période plutôt enchantée et qui sera relativement brève puisqu'elle va être suivie d'un temps beaucoup plus dur d'un point de vue politique. C'est un livre qui nous parle aussi du rapport à la géopolitique du moment, à la guerre froide, qui nous parle du Brésil contemporain, qui nous parle de la France, du Festival de Cannes, qui nous parle du football, qui nous parle aussi finalement de la manière dont le cinéma est aussi un instrument de pouvoir et de politique. Donc voilà, vraiment beaucoup d'enjeux qu'on va évoqué avec vous pendant cette conversation. Et peut-être une question très simple pour commencer sur la manière, on est toujours très curieux de savoir comment un sujet devient assez fort chez un écrivain pour devenir le sujet d'un livre. Alors là, on a l'impression qu'il y avait beaucoup d'éléments, à la fois ce film extrêmement singulier, on va y revenir, et puis finalement toute la signification qu'il y a autour sur cette époque, sur le rapport aussi bien sûr, je dirais, à la ségrégation, à un temps effectivement très fort. Il y avait tout ça qui vous a dit à un moment donné, c'est le sujet de mon deuxième roman, comment ça s'est passé? En fait, ça s'est passé un peu en cascade, et c'est drôle parce que j'écoutais à l'instant Éric Vuillard qui parlait de son propre roman sur l'Indochine, et en fait je m'aperçois que c'est un peu la même chose, la démarche de l'écrivain est un peu la même, c'est-à-dire qu'on a un détail, un support, en mon occurrence c'est un film, qui nous titille, qui nous interpelle. Et puis à partir de là, on va commencer à chercher un petit peu des choses, à essayer de comprendre soi-même pourquoi ce film nous interpelle tant. Et puis en creusant, on s'aperçoit qu'on découvre un monde entier, quoi. Et c'est sans doute la force, en l'occurrence, du film de Marcel Camus, Orfeu Negro, de m'avoir interloqué au point que j'ai eu envie de savoir ce qui s'était passé, non seulement pour que ce film soit créé à ce moment-là, mais aussi tout ce qu'il y avait dans le contexte de l'époque. Et vraiment, à travers ce roman, c'est l'histoire un peu d'une époque que j'avais envie de raconter, la vérité de ce que c'était que ce moment de la fin des années 50, qui est très particulier à bien des égards.
Ce qui est intéressant, c'est que, je le disais, il y a cette question de la création artistique, de la manière dont se construit un film. Peut-être vous pouvez nous dire un mot de la façon dont vous avez tout de suite envisagé aussi, alors je ne sais pas si on doit dire la transposition, mais finalement de créer une forme de fiction sur un film de fiction qui lui-même s'inscrivait sur une adaptation. Cette idée des poupées russes, de la mise en abîme, d'aller vers le roman, était aussi une donnée pour vous d'emblée dans la pensée, dans la fabrication du livre ? Ben oui, parce que moi, je ne suis ni historienne, ni spécialiste du cinéma. Je suis vraiment écrivaine. Et donc, ce qui m'intéresse quand même à la base, c'est de raconter des histoires. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je suis un peu, désespérée. Mais d'un côté, quand j'entends tout ce que vous énumérez qui est dans mon roman, je me dis, mais c'est pas possible. Il y en a tellement que ça va faire peur à tout le monde. Alors qu'à la base, c'est quand même juste une histoire que j'ai envie de raconter. Et là, c'est l'histoire d'un film que j'ai imaginé finalement, puisque ce tournage, il y a assez peu d'archives dessus. J'y étais évidemment pas. Et en fait, je n'ai pas tant cherché que ça à avoir des archives, en tout cas de ce tournage, parce que finalement, c'était ce qui m'évoquait, que j'avais envie de raconter. Et donc, ce film, il m'évoque une époque bénie du cinéma français, une époque de la fin des années 50 qui, pour moi, est vraiment matérialisée par La Côte d'Azur, Brigitte Bardot, le Festival de Cannes. Enfin, moi, ça m'évoque vraiment ça. Et puis aussi, en creusant et en étant un peu tiré par la main par le film lui-même, il a fallu que j'entre dans le Brésil de cette époque. Et qu'est-ce que ça m'évoquait aussi, ce Brésil ? Qu'est-ce que j'avais envie d'en montrer et d'en raconter à travers une fiction ? Oui, d'autant plus que ce film, je le disais en introduction, c'est un film qui porte en lui-même beaucoup de singularités dans le temps où il a été tourné. D'abord, cette espèce d'arrivée, finalement, de tout ce collectif autour du film à Rio de Janeiro, dans un espace qui n'est pas forcément apte à le recevoir, ou en tout cas, il y a une friction de cet ordre-là. Il y a le fait de travailler, effectivement, je le disais, avec des comédiens non professionnels, pour la plupart, avec des comédiens de couleur noire, donc ça c'est encore une autre donnée. Il y a aussi un petit côté incongruité finalement qui, je pense, a été à l'origine de l'envie de parler de tout ça. Vous pouvez peut-être l'évoquer. Exactement, c'est vrai que quand j'ai vu ce film il y a 20-25 ans, j'ai été étonnée par son aspect à la fois assez moderne et puis complètement onirique, très humaniste aussi. Et on sent bien en fait dans le film que les comédiens sont peut-être pas des comédiens professionnels, c'est des visages qu'on n'est pas habitué à voir. Enfin, on voit bien que c'est pas des grandes stars de l'époque qui sont là. Et en même temps, c'est très bien filmé, c'est très coloré. On sent qu'il y a eu des moyens pour faire ce film. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni qui se passe au Brésil à une époque où le cinéma français ne va pas spécialement tourner là-bas ? Effectivement, avec un casting entièrement noir, ce qui est aussi pour l'époque presque une incongruité. Et sur un mythe, Orphée-Eurydice, qui est vraiment, s'il y a un mythe qui est plutôt au fondement de la civilisation européenne, occidentale, c'est bien celui-là. Et là, c'est déplacé au Brésil, dans les favelas, et ça fonctionne. Donc tout ça m'a fait me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'effectivement cet ovni très très intrigant qui a été fait en 58, à un moment où c'était pas ça du tout le cinéma français. Et ce réalisateur, ce Marcel Camus, qui il est, j'avais envie vraiment de tout savoir. Et les acteurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus Voilà, donc ça m'a fait plonger dans ce que j'ai pu imaginer qu'avait pu être ce tournage et la suite pour ces acteurs, même si j'ai fait des recherches pour savoir un petit peu quelle a été la réalité. Ouais, parce que ce qui est très beau, et on s'en rend compte, je le disais, le cinéma, c'est une industrie, c'est un côté artistique, mais il y a aussi toute la recherche de financement, qui sont des éléments aussi qu'on découvre dans le livre. Mais c'est avant tout, peut-être, une aventure collective, en réalité. Vous êtes une créatrice solitaire, évidemment, en tant que romancière, mais il me semble que ce qui est aussi très fort dans ce film, c'est ça, c'est à la fois le collectif, la manière dont on va s'inscrire dans le Brésil, comment on va faire rentrer d'autres personnes. Il y a quelque chose qui se joue comme ça, vraiment dans l'aventure collective, dans l'aventure humaine. Il va y avoir des histoires d'amour, il va y avoir des histoires de rivalité. Il y a quelque chose qui est très fort autour de ce collectif-là. Exactement. C'est Robert Guédiguian, le réalisateur d'aujourd'hui, qui dit que peut-être qu'un tournage de film, c'est la dernière expérience communiste.
Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça. On sent que c'est une équipe là, qui a voulu porter ce film. Il y a la musique aussi qui a été créée pour ce film, qui est une création collective de grands noms qui vont ensuite marquer la musique brésilienne. Et c'est vrai que ce côté collectif, qui est à l'opposé inverse de ce que c'est que l'écriture romanesque, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, j'avais envie d'être un peu spectatrice de ça, comme une petite souris qui vient voir comment tous ces gens ont travaillé ensemble, du comédien le plus inconnu trouvé dans la rue, qui à la base est footballeur, jusqu'au musicien qui est João Gilberto, qui va connaître un succès immense, ouais, et puis les techniciens, enfin tout ce qui s'est passé pour arriver à ce chef-d'œuvre du cinéma. Alors je parlais de période enchantée, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais c'est vrai que vous parlez finalement de la naissance de la bossa nova qui est au cœur du livre. C'est un temps, on pourrait parler notamment de Brasilia, il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce moment-là. Peut-être vous pouvez en dire un mot sans en faire un exposé, hein. Je rappelle que votre livre est évidemment un roman, mais peut-être situer aussi pour le public ce qui se passe à ce moment-là dans le temps brésilien à cet endroit-là. Bah oui, parce que j'ai choisi en fait pour mon roman d'être sur une seule année, c'est toute l'année 58 et jusqu'au Festival de Cannes de début 59. Et c'est vrai que 1958-59, c'est une époque qui est charnière pour beaucoup de pays. Et notamment, le Brésil vit à ce moment-là une espèce de parenthèse démocratique un peu enchantée, avec un président qui s'appelle Kubitschek, qui a été élu démocratiquement et qui est plein de ferveur et d'optimisme pour son pays et qui va effectivement lancer les chantiers de Brasilia, cette ville incroyable construite un peu au milieu de nulle part au Brésil, qui va promettre à la population 50 ans de progrès en 5 ans. Donc c'est quand même une gageure de promettre ça. C'est le moment où le Brésil gagne la Coupe du Monde de football. C'est important aussi comme phénomène social mondial. Et c'est le moment aussi où on est en plein cœur de la guerre froide. Et donc il y avait comme ça plein d'éléments à prendre en compte. Enfin, en tout cas, pour mon imaginaire, ça m'a vraiment fait travailler sur qu'est-ce que ça peut être qu'une entreprise artistique au beau milieu d'un moment historique et politique si important. Donc voilà, j'avais envie de revenir là-dessus. Vous parliez du football, je vais peut-être faire une petite parenthèse là-dessus, parce qu'il y a effectivement la Coupe du Monde de 58, mais il y a un moment dans le livre où vous évoquez la Coupe du Monde de 1950, avec cette finale Brésil-Uruguay, où l'Uruguay perd à cause d'un des joueurs du Brésil, si on peut dire. Le Brésil perd, pardon, bien sûr. Et ce personnage-là, qui est un joueur noir, est aussi, ce moment-là, le football, est aussi une révélation, comme l'est le cinéma, comme l'est la réalité sociale, finalement aussi d'une forme de ségrégation qui existe, ou en tout cas d'une réflexion sur ce Brésil-là, métis, blanc, noir. C'est aussi une dimension très forte du livre qu'on découvre à travers le football, mais à travers le cinéma et d'autres. C'est une dimension importante aussi de ce moment-là. Oui, j'avais envie de revenir là-dessus pour deux raisons. Parce que déjà, d'une part, effectivement, le film est tourné au moment où le Brésil gagne la Coupe du Monde. Donc Marcel Camus va bénéficier quand même d'une effervescence et d'un enthousiasme, d'une joie brésilienne qui est présente. Et en plus, le héros de son film, donc celui qui va jouer Orphée, est lui-même un footballeur qui jouait à l'époque avec Pelé, mais qui n'a pas eu la carrière de Pelé. Et donc, j'avais envie de traiter aussi ce sujet du football, qui effectivement au Brésil est un, on le sait, hein, c'est un acte social complet, c'est plus que le cinéma, là-bas c'est vraiment une façon de vivre, c'est comme le carnaval dans une autre dimension. Et c'est vrai que ça révèle beaucoup de choses, vous le dites très bien, sur la société brésilienne. Et en 1950, c'est vrai que le Brésil a perdu contre toute attente, ça a été un déchirement pour eux, contre l'Uruguay, parce que le Gaul, qui s'appelait Barbosa, donc ce joueur noir, le seul de l'équipe, n'a pas arrêté le tir du joueur uruguayen en face. Et donc ça a été pour eux une catastrophe nationale. Et ce Barbosa n'a plus jamais pu jouer au foot, tellement il a été banni par tous ses compatriotes. Et c'est vrai que du coup, comme il était noir, on ressurgit tout de suite toutes les crispations
que ce pays qui aime à se montrer comme un pays métissé, où le racisme n'est pas un problème, contrairement aux voisins américains, bah à ce moment-là, tout est ressorti, quoi. Il a été vraiment considéré comme un traître à sa patrie, la preuve que les Noirs ne savent pas jouer au foot. Bon, juste après, ils ont eu Pelé, mais ils ne l'avaient pas encore à ce moment-là. Donc, il y a eu plein de préjugés comme ça. Et j'en ai pas parlé dans le roman, mais si on remonte encore plus loin, dans les années 30, ils avaient un joueur un petit peu génial comme Pelé qui jouait dans une des grandes équipes du Brésil et qui était noir, mais qui à l'époque se talquait pour paraître blanc, pour qu'on ne le considère pas comme un noir des favelas. Donc c'est toute cette histoire du Brésil qui ressurgit très régulièrement et qui ressurgit encore maintenant. Il y a eu des événements très récents qui montrent que c'est une question qui n'est absolument pas réglée, contrairement à ce qu'ils voudraient laisser croire. Oui, et il y a une réflexion aussi, il y a cette question de ségrégation, ce rapport au métissage, et il y a aussi quelque chose qui ressort dans le livre, notamment à travers les personnages de l'actrice, je pense à d'autres personnages, qui montrent aussi les inégalités, ou en tout cas les différences de catégories sociales. C'est aussi une société qui est extrêmement inégalitaire, ou en tout cas il y a des très grandes disparités. C'est aussi ça que vous dites ou que vous explorez, c'est une dimension très forte aussi quand même de ce temps-là. Oui, c'est très fort. Et puis en même temps, Marcel Camus lui-même a voulu un peu le montrer, ça, puisqu'il tourne son film quand même dans les favelas. Alors c'est une favela complètement reconstituée, hein, quasiment de carton-pâte. Mais n'empêche que ce n'est pas le Brésil qu'on a l'habitude de voir à l'époque. C'est-à-dire que ce n'est pas Copacabana, ce n'est pas les grandes baies de Rio et les quartiers modernes. Il cherche vraiment à ne montrer que le Brésil pauvre. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui a été audacieux à l'époque, dans ce pays où la disparité sociale est énorme et reste encore énorme aujourd'hui. Et non seulement lui, à travers ce film, il transcende ça, mais en plus, il a fait travailler sur son film à la fois des acteurs inconnus qui viennent de ce monde-là, des favelas, et puis des musiciens qui, eux, viennent complètement de l'autre côté, qui sont issus de la plus élitiste de la société brésilienne. Donc, il a fait collaborer ce monde-là à ce moment-là. Ouais, et il y a une autre chose qu'il faut peut-être aborder tout de suite aussi, c'est que finalement les personnages, l'actrice américaine, le réalisateur français, l'actrice qui vient justement, qui est brésilienne et qui vient des favelas, finalement représentent aussi à l'échelle intime, à l'échelle de l'individu, des réalités que vous mettez en œuvre dans le livre, c'est-à-dire le rapport aux États-Unis, le rapport à la France, le Brésil. C'est aussi une manière, à travers des vies minuscules, des destins individuels, de finalement d'ouvrir la focale et de regarder ça de manière plus large. Peut-être nous parler un peu de cela aussi. Ben oui, là, c'est là que je reviens vraiment, moi, dans mon rôle de romancière. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, effectivement, c'est parler de la grande histoire, mais à travers des destins individuels et à travers ce qu'il y a effectivement de plus minuscule et de ce qui peut nous impacter tous et nous toucher tous. Et c'est vrai que moi, je préfère raconter l'histoire de ces acteurs qui ont fait ce film et qui ont complètement disparu de la circulation après, que de parler, je ne sais pas moi, même de Kubitschek, qui a été une grande figure pour le Brésil, même s'il a eu un destin tragique. Lui, finalement, dans mon roman, ne fait que passer. Et je préfère, moi, rester au niveau, effectivement, le plus humain et le plus modeste pour voir comment la grande histoire nous impacte tous dans nos cœurs et dans nos corps. Oui, parce que ces questions de, entre guillemets, ségrégation ou de ces questions qui sont à l'œuvre, que vous avez évoquées au Brésil, elles sont à l'œuvre aux États-Unis. C'est un temps de ségrégation raciale très forte et de lutte pour les droits civiques. C'est d'une certaine manière à l'œuvre en France dans ce temps de guerre coloniale, décolonisation à venir. C'est des échos comme ça. Vous aviez conscience de toutes ces dimensions-là où Non, c'est vraiment venu au fur et à mesure que je creusais dans l'épaisseur de ce film et de cette histoire. Mais c'est vrai qu'il se trouve que ça a été tourné en 58-59, donc au moment où Castro va prendre le pouvoir à Cuba, où ça va devenir compliqué pour les Américains, au moment où nous, on est en pleine guerre d'Algérie, au moment des indépendances en Afrique, au moment de la lutte pour les droits civique aux États-Unis, il se trouve que tout se passe à ce moment-là. Donc moi, ça m'intéressait d'évoquer un peu tout ça, mais en gardant comme fil conducteur le tournage de ce film et comment ça impacte aussi ce tournage, que les protagonistes le veuillent ou pas.
Oui, ben on va laisser au public et aussi aux lecteurs le soin de découvrir tout ce que ça met en jeu, effectivement. Peut-être vous pouvez nous parler, cette rencontre s'intitule Chantier de fouilles. On essaye de savoir comment est-ce que vous avez travaillé dans l'atelier. Peut-être nous dire, en prenant quelques exemples, peut-être quelques-uns des personnages, enfin des personnes réelles qui deviennent personnages. C'est un travail, alors j'imagine, de vision et revision du film, puisque c'est finalement de là qu'émane aussi le désir d'écrire, mais aussi sans doute, je ne sais pas moi, des archives, des documentations, des interviews des comédiens. Comment vous avez travaillé avec toute cette doc? Peut-être nous faire rentrer dans votre atelier. Oui, bah alors justement, l'archive, moi je m'en méfie beaucoup, hein, je l'ai gardée le plus possible à distance, tout en y puisant quand même effectivement quelques indices factuels de ce que pouvait être cette époque et de la façon dont les gens pouvaient raisonner à cette époque. Donc j'ai surtout regardé le film, et puis même le film, je ne l'ai pas regardé en entier tout de suite. Je préférais me concentrer sur certaines scènes qui m'avaient marqué moi à l'époque et qui m'ont conduite à avoir envie d'écrire sur ce film. Donc c'était vraiment d'abord ce que ça m'avait fait à moi que je voulais retranscrire dans le roman, et ces scènes-là, je les revisionnais pour savoir pourquoi elles m'avaient tant émue, marquée, etc. Et de ce visionnage-là, j'en faisais découler ce que je supposais pouvoir avoir été les sentiments des comédiens qui participent au film et du réalisateur. Après, il y a eu effectivement quelques archives, mais très faciles à trouver, très accessibles, qui sont les archives de l'INA, où j'ai retrouvé quelques interviews de l'actrice principale au moment de La Palme, et puis quelques années plus tard. Donc ça, c'est aussi très significatif. C'est des interviews de François Chalet. Donc là, c'est toute une époque, hein, qui revit quand on entend François Chalet, et dans sa façon de parler, dans sa diction, et dans le type de questions qu'il pose à la comédienne, qui sont des questions qu'aujourd'hui, on ne se permettrait pas de poser. Enfin, ou en tout cas, on a un regard, surtout après Me Too, tout ça, on se rend bien compte que, heureusement, l'époque a changé. Mais c'était intéressant, voilà, de retrouver ça. Et puis, les images du festival aussi, parce que, bon, il se trouve que le film a gagné la Palme d'Or en 59, au moment où sont en lice des grands films comme Hiroshima, mon amour, et surtout Les 400 coups de Truffaut. Donc si on reprend l'histoire du cinéma, finalement le grand gagnant, ça a été Les 400 coups, beaucoup plus connu aujourd'hui que Orfeo Negro. Mais il se trouve que cette année-là, alors que Truffaut et Godard et la bande des Cahiers du cinéma pensaient vraiment prendre d'assaut le cinéma français et triompher à Cannes, c'est ce film-là qui a gagné. Et sur les archives, c'est très drôle du coup de voir le visage effaré de Truffaut juste après les résultats. Le visage tout aussi effaré de Marcel Camus, qui sans doute ne s'attendait pas à recevoir la Palme. Et puis ben, ceux qui étaient les grands décideurs de l'époque, Malraux, Cocteau, ils sont là. Donc tout ça m'a fait beaucoup travailler l'imagination et beaucoup sourire de revoir ces images en noir et blanc qui disent beaucoup d'une époque. Ouais, c'est savoureux, ces scènes du Festival de Cannes, parce qu'on comprend aussi que c'est encore une incongruité de plus, finalement, pour ce film, au moment où la nouvelle vague est en train de naître, où effectivement le pouvoir des Cahiers du cinéma, de toute cette bande-là, est extrêmement fort. Il y a une incongruité supplémentaire à le voir finalement primé, alors même que tout dit que ça va se passer autrement. L'incongruité du film, sa singularité va jusque-là, finalement. Justement, et c'est là que l'écrivaine que je suis peut se saisir de ça, parce que c'est un peu quasiment une enquête policière. On se dit, mais pourquoi ce film a eu la Palme d'Or à ce moment-là, quand on voit qu'effectivement Truffaut était en compétition, que les 400 coups ont été portés en triomphe cette année-là. Et non seulement il a eu la Palme d'Or, mais l'année d'après, il a l'Oscar du meilleur film étranger. Pourquoi est-ce que ce film a cristallisé comme ça l'enthousiasme, en tout cas d'une partie de la critique, pas toute, parce qu'il y a une partie qui a été très outrée que ce soit ce film-là qui gagne. Et pourquoi finalement ce film est resté dans les cœurs de beaucoup de spectateurs et en revanche a complètement disparu de l'histoire officielle du cinéma par la suite. Donc tout ça, c'est des choses qu'on creuse et qui font travailler l'imaginaire de l'écrivain. C'est pour ça que dans le roman, à plusieurs moments, j'ai mis des petits passages de Modiano. Parce que c'est vrai que c'est un peu la même démarche. On se pose une question et on fait une enquête sur ce qui a pu se passer, sur les incongruités, et qui est passé par là et qu'est-ce qui a pu faire que c'est arrivé.
Ouais, d'autant plus qu'on pourrait presque dire que Orfeo Negro est l'anti-nouvelle vague, d'une certaine manière, dans le rapport à l'art en question, dans le sujet, dans presque la manière d'envisager en fait le cinéma, mais presque dans la manière d'envisager le monde, d'une certaine manière, mmh. puisque le regard social, politique que vous évoquiez est quelque chose qui est relativement déconnecté des enjeux de la nouvelle vague. Complètement. C'est ça qui est intéressant et très intéressant aussi et que vous avez fouillé. Oui, parce que c'est vrai que bon, la nouvelle vague, on voit ce que c'est, hein, même peut-être que le cinéma français baigne encore là-dedans, c'est-à-dire que c'est vrai que ça se passe souvent à Paris, dans un milieu plutôt bourgeois, c'est souvent voilà, des histoires de couples, d'adultères, des choses assez classiques, et la question sociale et politique, même si Godard, il est peut-être plus ambigu par rapport à ça, mais c'est vrai que c'était pas le cœur de ces films-là. Et d'un certain côté, Marcel Camus est effectivement totalement déconnecté de ça en allant filmer au Brésil des acteurs non professionnels, noirs, pauvres. Enfin, il est vraiment déconnecté de ça. Et en même temps, il y a une certaine part de créativité qu'on retrouve dans la nouvelle vague, un certain naturel, voilà, des acteurs qui ne sont pas forcément formés à jouer ces rôles-là. Donc il est lui-même dans une ambiguïté, dans un entre-deux qui fait que la nouvelle vague a été effarée de le voir arriver, mais en même temps n'a pas pu le renier complètement. Et sur la photo de l'époque très, très connue qui montre la génération de la nouvelle vague, finalement, il est présent, parce que Truffaut est allé le rattraper par le col en disant « bon ben, il faut qu'il y soit aussi, quoi ». Donc voilà, il est un peu l'outsider qui tout d'un coup est mis en avant et puis qui va lui-même ressortir des feux de la gloire et qui va être comme une étoile qui a filé comme ça dans le ciel du cinéma français, qui a laissé une marque pour beaucoup de gens, mais qui a fini par disparaître, un peu comme le film, un peu comme les acteurs. Et si on élargit, un peu comme ce Kubitschek, ce président très motivé, très, très plaisant, et puis qui s'est fait balayer par la dictature à peine 3 années plus tard. Il y a une autre chose aussi qu'il faut évoquer, c'est, vous disiez tout à l'heure que vous aviez écrit aussi à partir des impressions du film, et ce qu'on ressent aussi, c'est quelque chose qui est lié aux sensations, aux lieux, à la manière dont ce pays, cette ville, cet environnement, en fait, crée le film. Mm-hmm. Comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus pour rendre compte, justement, de ces ambiances, de la musique, des couleurs, du contexte? Vous avez travaillé vraiment dans la fiction, dans l'imagination? Vous avez bouché des trous, vous avez fait comment pour travailler autour de ça? Oui, dans la fiction. Et c'était vraiment mon parti pris, c'est-à-dire que je ne suis même pas allée là-bas. De toute façon, j'avais quand même envisagé d'y aller. Puis avec le Covid, de toute façon, c'était même pas envisageable. Mais je voulais écrire sans avoir été là-bas et n'y aller que quand mon manuscrit serait à peu près écrit. Donc voilà, moi, c'est vraiment un travail de fiction que j'avais envie de mener à partir de ce film. Parce que dans ce film, on voit Rio, enfin... La vision qu'a Marcel Camus de Rio. Et donc, il y a ces favelas très colorées, complètement fantasmagoriques. On le sait, ce n'est pas les vraies favelas. Il y a quand même des images aussi du Rio moderne qui sont presque documentaires, où on voit à un moment Eurydice perdue dans un quartier très moderne, fait de gratte-ciel, qui est sans doute ce que les Brésiliens auraient voulu montrer en premier avant les favelas. Et puis, il y a des images qui sont pour le coup elle est complètement documentaire. Par exemple, il y a une séance de candomblé très impressionnante où en fait Marcel Camus a eu l'autorisation par les pratiquants de filmer une scène réelle. Et en même temps, il y mêle quand même sa fiction puisque les acteurs sont présents pendant cette scène. Donc lui-même ne s'est jamais laissé complètement happer par la réalité. Il garde son point de vue de metteur en scène qui a une histoire à raconter. Et en même temps, il a intégré de la réalité. Donc moi, j'ai mis mes pas dans ceux de Marcel Camus en essayant de faire la même chose, de garder une certaine réalité, mais d'être quand même d'abord dans la fiction. Et ce qui est intéressant, vous dites que le Brésil aurait peut-être préféré montrer une autre face de son pays. Et finalement, cette dimension-là, elle est vraie pour la France. Vous avez parlé de Malraux. Elle est vraie pour les États-Unis aussi. Alors là aussi, on ne va pas tout dire du livre, puisqu'il faut découvrir tout ça. Mais on a l'impression que ce film devient un instrument politique, en réalité, et une manière d'envisager le monde. Là aussi, peut-être nous parler un peu de ça, parce que c'est ça qui est fascinant aussi, non pas dans la récupération, mais dans la manière dont les uns et les autres se positionnent par rapport à ce
à ce film-là. Oui, oui, bah exactement. On est en pleine guerre froide. Donc, à l'époque, le Festival de Cannes est un champ de mines et de diplomatie très, très fort. Hein. Tout le monde négocie, met en avant ses pions. Les Soviétiques, ont eu la Palme d'Or l'année d'avant avec « Quand passent les cigognes ». Donc, les Américains disent « Hors de question que ce soit les Soviétiques cette année qui aient la Palme ». Le Japon est là. Les Américains font pression pour que Hiroshima, mon amour, soit censuré à cause de la bombe nucléaire. Enfin, c'est vraiment un champ de pouvoir très, très important, la culture à ce moment-là. Ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power, il est mis en place très fortement dans ces années-là. Et les artistes sont un peu enrôlés, qu'ils le veuillent ou non, dans cette guerre de l'image, puisque les Soviétiques, bah, ils envoient effectivement des réalisateurs, des écrivains qui sont vraiment la voix du parti. Il y a les dissidents qui essayent de se faire entendre, mais c'est difficile. Les Américains, ils le font de façon plus subtile, mais à ce moment-là, ils mettent en place des grandes tournées de Rothko, par exemple, le peintre expressionniste américain. Louis Armstrong aussi, il est envoyé en espèce d'ambassadeur de la culture américaine un peu partout dans le monde. Donc tout ça, c'est des jeux d'influence. Et là où on posait tout à l'heure la question de savoir pourquoi ce film a eu un tel succès dans une France qui est en pleine décolonisation, en pleine guerre d'Algérie, alors que c'est un film qui est plutôt du côté du tiers-monde, voilà, des oubliés, et des pays vraiment et des populations dominées. Et pourquoi l'année d'après, les États-Unis en pleine bataille des droits civiques, avec des écoles qui explosent à ce moment-là dans le sud, des enfants qui n'ont pas le droit d'aller dans la même école que les Blancs, couronne aussi ce film avec un casting entièrement noir. Donc là, je me suis dit que, vu le contexte de l'époque, vu l'image que chacun veut donner de son pays, il y a eu forcément aussi un enjeu politique. Même si je ne nie absolument pas l'enjeu artistique et esthétique propre au film, je pense qu'effectivement, il y a eu un côté aussi... il faut qu'on montre, en couronnant ce film, combien on est les plus ouverts, les plus humanistes, parce que et la France et les États-Unis se faisaient fortement critiquer à l'époque... pour leurs histoires spécifiques que je viens d'évoquer. Donc, c'est des pays qui avaient besoin aussi de redorer un peu leur image. Ouais. Peut-être encore une ou deux questions, bien sûr, avant de donner la parole au public. Je suis sûr qu'il y a plein de questions qui vont se poser sur ce que vous évoquez. Ce qui est très, très beau et très agréable pour le lecteur, c'est que c'est aussi un livre qui, par le charme du film, amène finalement à différents registres, puisque c'est aussi un roman d'amour, d'une certaine manière. Mm-hmm. On pourrait dire que c'est un roman géopolitique, un roman d'espionnage. C'est un roman sur la création artistique. On imagine que vous, en tant qu'écrivaine, ça a été sans doute quelque chose de très stimulant de travailler ces différents registres, en réalité. C'est vraiment ce qui apparaît en tant que lecteur, en tout cas, du livre. C'est une dimension qui vous a... intéressez-vous en tant qu'écrivaine qui vous a porté finalement ces différents registres. On a l'impression qu'il y a tous les romans en un finalement et ça n'est pas évidemment péjoratif quand je dis ça. Oui, oui, bah, effectivement, moi je me suis régalée parce que c'est vraiment la liberté de l'écrivain là, qui peut se jouer à plein puisque je me permets de prendre un film qui existe, des personnalités qui existent, de Marcel Camus à Malraux en passant par les acteurs du film Cocteau, et je leur fais dire un peu, je les mets en scène un peu comme j'ai envie de faire comprendre ce que pouvait être cette époque, tout en n'ayant pas toutes les clés de cette époque, puisque donc, les archives sur le film ne sont pas très, très nombreuses, parce que je ne serai jamais dans les coulisses du jury de Cannes et du jury des Oscars qui a décidé que ce serait ce film-là contre toute attente. Donc le plaisir de la romancière là est complet. Et en plus, comme vous le dites, effectivement, je peux rajouter des histoires d'amour sur le plateau, enfin tout ce qu'on aimerait savoir sur les coulisses d'un tournage, quoi. Ouais. Et peut-être aussi une autre chose, c'est que finalement le travail que vous faites, il est une espèce de mise en abîme de la création. On a parlé de ça au tout début, mais peut-être on peut y revenir. C'est-à-dire que il y a aussi le fonctionnement vraiment interne aux équipes, les réflexions, le casting, toutes ces étapes-là, ça peut-être revenir aussi sur la manière dont vous avez travaillé. On voit vraiment les étapes les unes après les autres. Et pour tout dire, on se rend compte à quel point c'est difficile de faire un film, peut-être dans ce contexte en particulier. Mais
Vous, c'était ça que vous aviez envie de montrer aussi à la base, c'est-à-dire comment ça fonctionne, la machinerie, véritablement, on rentre au cœur du réacteur, finalement. Là. C'est, oui, oui, ouais. Parce que moi-même, je suis toujours fascinée par la création artistique. Alors, la création de littéraire, c'est ce qu'il y a de plus simple, finalement, parce qu'on est tout seul devant son papier, voilà, on réfléchit, on écrit, on est totalement seul. Mais quand, effectivement, c'est une machine comme ça, comme un tournage de film qui implique plusieurs dizaines d'acteurs, au sens d'intervenants, pour arriver à créer une œuvre, moi, ça m'a toujours fascinée. Et il se passe exactement la même chose dans la musique, effectivement. La bossa nova, cette musique qui va surgir à ce moment-là, comment ça s'est fait? Comment ça se fait qu'à pile à ce moment-là, il y a une dizaine de génies musicaux qui sont ensemble au même moment et qui vont créer une musique quasiment nationale? Enfin, la bossa nova, c'est vraiment maintenant identifié au Brésil. Donc, tous ces côtés-là me fascinent beaucoup et j'aime bien rentrer dans le cambouis de comment ça a pu se dérouler. Oui, d'autant que, encore une fois, c'est un roman, donc ce n'est pas un livre qui, je pense, prétend apporter des réponses fermes et définitives sur tous ces mystères, puisqu'il y a de nombreux mystères. Mmh. Et on a l'impression que ce que vous essayez de faire, c'est de toucher du doigt ces différents mystères, de poser des questions, de donner des hypothèses. Il n'y a sans doute pas la volonté d'apporter une réponse définitive sur tous ces énigmes, finalement, enfin, j'imagine. C'est exactement comme ça qu'on le ressent. Ouais. Oui, oui, puis je suis même pas sûre qu'il y ait des réponses définitives, finalement, parce que c'est tellement aléatoire, ne serait-ce que pour Marcel Camus, pour le réalisateur. Il faut qu'il ait le feu vert d'un producteur, il faut qu'il trouve une bonne idée, il faut aller sur place, il faut trouver les comédiens, il faut que ça corresponde à la vision qu'il a. Il se trouve qu'à ce moment-là, il trouve les musiciens qui vont devenir les géants de la musique brésilienne, mais il ne peut pas le savoir lui-même en 58. Donc il y a une part de non-maîtrisé, de non-maîtrisable, qui est très belle aussi. Ouais, et puis c'est les moments charnières en réalité. C'est-à-dire que c'est des moments où on sent que le monde bascule d'une certaine manière. Le monde bascule, oui, ouais, effectivement. Peut-être qu'on connaît ça aujourd'hui, mais ça a été un des basculements, je pense, ces années 58-59 pour le monde entier, en effet. Encore une toute petite chose, et puis vraiment, je me tourne vers le public, parce que je suis sûr qu'il y aura des questions. Est-ce que vous avez l'impression, on parlait juste avant, de votre premier livre, qui était un livre très, très différent, qui se passait entre la Guadeloupe et la région parisienne, qui était un livre qui faisait référence à votre famille, à votre histoire, à votre lien avec la Guadeloupe. Est-ce que, là, on est sur un sujet qui est différent, et pour autant, il y a peut-être des points d'accroche, des résonances, des échos. Comment vous envisagez ces liens potentiels entre vos deux ouvrages, en tout cas ce que vous y voyez? Moi, j'y vois certains liens et certaines résonances, mais peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Oui, oui, bah, je pense que vous avez raison de voir une résonance. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'écrivaine française, c'est toujours de voir comment la France s'est projetée à l'extérieur de ses frontières. Peut-être parce que du fait de ma propre ascendance, étant donc de père guadeloupéen, donc cette France d'outre-mer qui pose tant de questions, mais qui est tellement intrinsèquement liée à l'histoire de la France hexagonale, moi c'est vrai que je pense que j'aurais toujours tendance à aller regarder ce que c'est que la France vue de l'extérieur, la France qui existe à 8000 km d'ici, et comment on a traité cette histoire. C'est pour ça que j'étais passionnée par ce que disait Éric Vuillard qui s'adresse lui à l'Indochine dans son dernier roman. C'est aussi une part de France, un peu une histoire qu'on ne connaît pas bien et qui pourtant nous travaille encore tellement. C'est la même chose avec les Antilles. Et là, c'est vrai que je pars au Brésil, mais finalement, les liens entre le Brésil et la France, quand on veut bien les creuser, sont très très forts aussi. D'abord, on a essayé de coloniser ce pays, mais on n'a pas réussi. C'est les Portugais qui ont réussi, mais on était là un petit peu avant eux, et puis on s'est fait complètement laminer. Ensuite, il y a eu une forte tradition intellectuelle d'échange entre les deux pays. Pendant très longtemps, dans les universités brésiliennes, et c'est le cas encore au moment du tournage du film, les grands professeurs parlaient tous français. Il y avait beaucoup d'ethnologues français là-bas, à commencer par Lévi-Strauss, qui a passé beaucoup de temps là-bas dès les années 30. Et puis, si on remonte très très rapidement dans le temps, la bossa nova, finalement, le pays qui a été le plus réceptif à ça, juste après Orfeo Negro, qui est le film qui a fait connaître cette musique au monde, c'est la France.
avec Pierre Barou, avec Henri Salvador encore avant, avec peut-être que vous connaissez les reprises par Nougaro de beaucoup de thèmes en fait de bossa nova. Et avec les États-Unis, on a été probablement le pays qui s'est le plus emparé de cette musique-là. Et puis il y a certains musiciens que je fais vivre dans le roman, comme Baden Powell, qui ont même fini leur vie en France. Donc voilà, les liens ont été très forts. Et en plus, c'est une société tropicale, métissée, donc c'est pas très loin de la Guadeloupe finalement. Ouais, et en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se joue finalement sur le comment dire, la postérité, puisque ce titre-là, Les étoiles les plus filantes, dit en effet que les choses passent d'une certaine manière. Il y a un rapport au temps aussi très fort dans ce livre-là, et de regarder finalement des temps donnés, presque des époques, mm-hmm. des parenthèses, que ça soit pour le réalisateur, que ça soit pour le film. C'est quelque chose aussi que vous avez tout de suite senti, cette dimension de, entre guillemets, fin d'une époque ou quelque chose de cet ordre-là. Oui, oui, l'épaisseur du temps, mais ça, c'est, je pense que c'est propre au cinéma, parce que quand on regarde un film, on est plongé dans une époque très précise qui a été capturée par les images. En fait, c'est pareil pour les photos. Finalement, une photo, c'est un petit morceau de temps figé. Et donc, ce film-là, pour moi, il évoque ça. Il évoque forcément un temps complètement révolu, une certaine nostalgie, une douceur de vivre un peu trompeuse, une parenthèse enchantée. Enfin, c'est tout ça. C'est des visages très beaux à l'écran, très jeunes. Et puis, on sait que ces personnes ont vécu il y a 60 ans. Il y en a certaines qui sont encore vivantes, mais voilà, très âgées aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est une petite capsule de temps, le cinéma. Vous leur avez envoyé le livre ? Bien sûr. J'ai même parlé avec les deux fils de Marcel Camus, qu'il a eu, avec une des actrices du film. Donc, eux, ils sont, on ne va pas les résumer à ça, mais ils sont quand même le produit de cette histoire et de ce tournage. Ils ont aimé le livre ? Je pense, en tout cas, ils en ont fait ils sont très timides, hein, ils ne veulent pas du tout se mettre en avant par rapport à ça. Donc, je sais qu'ils en ont fait l'écho dans leurs réseaux sociaux et qu'en tout cas, ils m'ont très, très gentiment autorisé, parce que je trouvais que, par respect, il fallait que je les prévienne que j'écrivais une fiction, ce que je leur ai bien précisé, sur l'histoire quand même qui impliquait leurs parents. Et donc, ils m'ont très gentiment autorisé à le faire, ce qui n'était pas forcément gagné, parce que je sais que sur le film en tant que tel, chaque fois qu'il y a eu des tentatives de reprise, et ça a été le cas il n'y a pas longtemps avec un groupe de rock canadien qui s'appelle Arctic, je ne sais plus comment. Monkeys. Peut-être, je ne sais pas, un groupe canadien, donc j'oublie le nom, c'est peut-être Arctic Monkeys, mais c'est quelque chose dans le genre. Ils avaient repris quelques images du film dans leur clip, et la famille a été implacable, quoi. Ils ont dû tout retirer, voilà. Donc je m'estime heureuse que moi, ils ne m'aient posé aucun problème. Mais je vous remercie, Estelle Sarah. Je me tourne vers vous, si vous avez envie peut-être de prendre la parole. Oui, je vois déjà une main qui se lève. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup pour vos mots. Et vous avez beaucoup parlé des éléments musicaux qui ont entouré le tournage de ce film. Et je me demandais quel rôle est-ce que la musique joue dans votre processus de création ? Est-ce que vous avez beaucoup de musique quand vous écrivez ou, Ah, voilà. C'est une question intéressante. C'est vrai qu'en dehors du film et des archives, effectivement, la troisième source qui me permettait de me mettre dans l'ambiance, c'était d'écouter les morceaux de bossa nova de cette époque. Il y a la bande originale du film déjà, hein, qui est vraiment qui acte de la naissance de la bossa nova. Mais c'est vrai que de me replonger dans les morceaux de l'époque, c'était vraiment une aide pour moi pour continuer à creuser cette époque et cet état d'esprit. C'était important. Vous avez écrit en bossa nova, donc. J'ai écrit en bossa nova. Pas tout le temps, parce que j'ai besoin de beaucoup de silence quand j'écris. Mais dans les moments où je levais la plume et où je réfléchissais, effectivement, j'écoutais de la bossa nova. Merci. Est-ce qu'il y a une question ? Bonsoir, merci. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure des liens, des échos qui pouvaient y avoir entre votre premier livre, votre premier roman et celui-là. Et en fait, la question vous a été posée juste un petit peu après que vous ayez mis l'accent sur l'année 1959, mm-hmm. qui est une année de bascule. Mm-hmm.
Et c'est également un des plus beaux passages, en tout cas moi, qui m'a énormément impressionnée dans « Là où les chiens aboient par la queue », c'est-à-dire les événements de décembre 59 à la Guadeloupe. Est-ce qu'il n'y a pas comme une simultanéité de ce basculement sur deux espaces géographiques différents mais culturellement proches? Absolument, vous avez tout à fait raison. Alors juste pour rectifier, mais vous avez raison dans l'esprit, les événements, les émeutes que je décris dans « Là où les chiens aboient par la queue », c'est mai 67 en Guadeloupe. Mais vous avez raison d'évoquer... En Martinique, exactement. Et ça, je l'évoque, mais très succinctement dans le roman, puisque une des actrices du film que j'invente, parce que dans la réalité, elle était brésilienne, dans mon roman devient martiniquaise et revient pour la promotion du film en 59 en Martinique et tombe en plein dans ces émeutes. Donc effectivement, il y a comme un ricochet entre les deux romans à ce moment-là. Merci. Une autre question juste là, s'il vous plaît. Merci. Vous avez beaucoup insisté sur, évidemment, la dimension politique. Je me suis demandé, vu le Brésil en ce moment, vu la violence dans les favelas et cette destruction par l'actuel président. Donc je me suis demandé à quelle mesure, par moment, enfin, moi j'ai vécu au Brésil et dans des moments de favelas qui étaient plutôt une parenthèse enchantée plus tard, mais qui a disparu. Je voulais savoir comme quelle mesure, comme romancière, on cherche peut-être finalement à un moment donné à se réfugier comme une protection, à re-rêver quelque chose qui est passé, mais qui a été, comme vous l'avez dit plusieurs fois, une parenthèse enchantée. Mmh. Voilà. Ben absolument, c'était très agréable pour moi, dans le roman, de revenir sur cette très belle période pour le Brésil, qui n'était quand même pas exemple de noirceur. Hein. Faut pas non plus trop idéaliser. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui du Brésil, sans doute qu'effectivement, il y avait... une certaine douceur de vivre qui était réelle. Et c'est important, c'était intéressant pour moi d'y revenir, parce que je ne pouvais pas non plus ne faire que quelque chose d'obscur, de sombre, ce que j'aurais pu faire, parce qu'il s'est passé quand même des choses terribles dans ces années-là. Mais c'est vrai que, de toute façon, quand on revient dans un passé qu'on n'a pas vécu soi-même, puisque je n'étais pas née à cette époque, finalement, on parle du présent aussi. Donc, à travers ce que je raconte et cette espèce de mise en perspective, l'idée, c'est aussi de savoir ce qu'on est devenu par rapport à ces années, à la fin de ces années 50, ce début d'années 60 plutôt optimiste, et où on en est aujourd'hui par rapport à ça, et comment ça a produit notre société actuelle aussi. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Je viens de Brésil, en fait, de Rio spécifiquement. Et je suis plutôt intéressée par votre livre. Et je me demandais, pendant que vous parlez, la complexité de faire en fiction, sur en fiction du Brésil, vu que le film il était fait par un Français qui arrive pour faire un portrait brésilien dans ce sens. Pour vous, qui n'a pas eu l'opportunité aussi de voyager au Brésil, de connaître, même s'il y a une grande distance d'époque, comment c'était ça dans votre tête pendant que vous avez écrit le livre? Comment ça a joué? Ça a joué sur... C'était justement pour cette question-là de se dire, attention, ça, c'est pas mon pays, ça s'est passé à 60 ans, il ne faut quand même pas raconter n'importe quoi. C'est là finalement que l'archive était précieuse pour moi, parce qu'il y a quand même une réalité historique que je voulais restituer dans mon roman, et où là j'ai été regarder quand même ce que disaient les historiens, les archives de l'époque, les extraits de journaux de l'époque, je me suis appuyée là-dessus. Et puis pour la culture brésilienne, en fait, ce qui m'a beaucoup servi, c'est un recueil de poésie brésilienne qui a été publié aux éditions Chandaigne ici. C'est volumineux parce que ça commence au XVIe siècle et ça va jusqu'au XXe siècle. Et donc, j'ai beaucoup lu les auteurs brésiliens de cette époque-là, début XXe jusqu'à moitié du XXe siècle. Et il y avait dans ce recueil la version originale en portugais
et la traduction en français à côté. Et donc ça m'a beaucoup aidée, en fait, de voir comment les poètes brésiliens parlaient de leur société à l'époque, parce qu'ils étaient très, très concernés, Mario de Andrade, des gens comme ça. Finalement, ils décrivent beaucoup ce que c'est que le Brésil, ce que c'est que d'être brésilien, la brésilianité. Et donc, ça me permettait de voir un petit peu ce qu'ils évoquaient, les changements de Rio. C'est très, très riche de lire la poésie brésilienne de cette époque pour ça. Et Vinicius de Moraes est lui-même aussi un poète, c'est l'auteur de la pièce de théâtre qui a donné le film. Et donc, voilà, lire sa poésie, c'est aussi voir sa façon de voir le Brésil des années 50. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être une ultime question? Oui, allez-y, monsieur, si vous voulez bien lever la main pour qu'on vous identifie. Voilà, merci. Est-ce que votre roman est un roman d'amour? Oui, aussi, on en a parlé. Hein. Effectivement, oui, ben, l'amour est très présent. D'abord, Orphée et Eurydice, c'est une histoire d'amour hein, aussi. Donc, cette histoire-là qui est le fil conducteur de Marcel Camus est là en filigrane. Et puis aussi, sur le tournage, sans en dévoiler trop, il y a une histoire d'amour qui est très présente et qui était importante pour moi, effectivement, en tant que romancière, de développer. Peut-être moi je vais me permettre une dernière question, parce que vous avez évoqué finalement la proximité, l'intensité que vous avez dans le rapport à ce film. Est-ce que le fait d'avoir passé quelques années à écrire ce livre-là vous a éclairé sur les raisons pour lesquelles vous étiez tellement attaché à ce film? Est-ce qu'au contraire ça vous en a éloigné? Comment est-ce que vous, en tant qu'écrivaine, en tant que femme, vous envisagez l'effet que ça a eu sur vous et sur le regard que vous portiez sur ce film? Il y a forcément quelque chose qui s'est produit au fil de l'expérience d'écriture, non, j'imagine? Et ben, ce qui est très beau, et c'est là que je pense que c'est vraiment, ce film est vraiment une œuvre très forte, c'est que bien que j'ai passé 2 ans à écrire dessus, à essayer de le décortiquer, à essayer de m'en imprégner, à essayer d'exprimer ce qu'il me faisait ressentir, ce film reste un mystère pour moi. Encore aujourd'hui, pourtant, je l'ai vu depuis la sortie du roman. J'ai eu la chance de le revoir en grand écran, remasterisé à plusieurs reprises. Et ça reste toujours un étonnement. Et je découvre toujours des nouveaux détails dans le film qui auraient pu, si je les avais vus tout de suite, peut-être se retrouver dans le roman. La démarche de Marcel Camus reste un mystère. Et je trouve que c'est beau que ça reste comme ça. Bien, mais je vous remercie beaucoup, Estelle Sarah. Merci. Vraiment, c'est un plaisir. Vous pouvez retrouver Estelle Sarah tout de suite à la librairie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.